Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de lecture documentaire. Comme d'habitude, tu as besoin d'un adulte et de la fiche élève en annexe. Tu peux toujours mettre en arrière ou faire pause à tout moment. Quand tu vois ce symbole, tu dois mettre pause et faire l'activité. Donc la semaine dernière, nous étions quittés sur cette question, la vie est-elle possible sur Mars? Et on avait essayé d'y répondre, enfin chacun avait essayé d'y répondre sur sa copie. On avait vu que dans nos connaissances, la vie était possible s'il y avait trois éléments. C'est la pyramide de la vie sur les planètes. Il faut au moins ces trois éléments, sinon c'est pas possible qu'il y ait de la vie. Donc il faut une atmosphère saine, de l'eau liquide et une température acceptable. Je vais vous présenter donc plusieurs réponses qui ont été proposées par certains élèves. Donc j'en ai sélectionné deux parce que sinon ça aurait pris trop de temps pour tout expliquer. Mais elles sont toutes les deux intéressantes et ont chacun leur force et leur faiblesse. Donc, sans oublier qu'ici, donc, pour répondre à cette question, il fallait donc non seulement utiliser les connaissances qu'on avait, les connaissances du texte, mais encore, même le texte ne donnait pas tout à fait la réponse. Il fallait déduire la réponse. Voici donc la première proposition. La vie normale n'est pas possible sur Mars. Deux points, l'atmosphère a du gaz carbonique. Il faut des masques à oxygène et des combinaisons spatiales. L'eau, deux points. On ne sait pas s'il y a de l'eau. Point. Température, il fait moins 63 degrés. Alors, d'abord, on va commencer par corriger les fautes. Déjà ici, donc on voit qu'il y a combinaison spatiale. Il y a plusieurs combinaisons, donc il ne faut pas oublier le S. Ensuite, si on veut faire mieux, on ne sait pas s'il y a de l'eau. On peut faire juste un S et une apostrophe. Bien, voyons voir s'il y a dans cette réponse les trois éléments qui nous intéressent pour voir s'il y a de la vie. Donc on va commencer. Dans l'atmosphère, il y a du gaz carbonique. Donc déjà, il nous parle d'atmosphère. Bien. Première chose. Deuxième chose, on ne sait pas s'il y a de l'eau, mais en tout cas, elle nous parle de l'eau ici. Donc, on a le deuxième élément. Et troisième, température, il fait moins 63 degrés. C'est très, très clair. Atmosphère, 2 points. Eau, 2 points. Température, 2 points. Justement, on voit que c'est très utilisé. Les mots, ils sont bien marqués. Température. Ah oui, ça je suis allé un petit peu trop vite. Concernant les informations du texte, donc il y a bien les mots-clés qui ont été récupérés. Gaz carbonique, ça on ne le savait pas. Elle a été piochée dans le texte. Pareil pour la température, moins 63 degrés Celsius. Ça aussi, on ne pouvait pas savoir, c'est tiré du texte. Ensuite, par contre, là où il y a une petite faiblesse, et même plutôt une faiblesse importante, c'est que la consigne était d'utiliser des mots de liaison. Or, quand on regarde cette réponse, on s'aperçoit qu'il y a eu un gros usage des deux points. Mais les deux points, c'est très bien. En fait, on se trompe jamais. On voit que du coup, c'est très très clair. À chaque fois, les trois thèmes sont abordés. La réponse, elle est juste. Elle a utilisé juste. Par exemple, on voit le petit mot liaison qui est le plus connu, qu'on utilise quasiment tous les jours, c'est le EET. Mais sinon, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de liant. C'est en fait comme si on devait se donner, si on devait se donner une image, c'est l'image de la liste de courses. On ne se trompe jamais avec une liste de courses. Sauf qu'on la lit rarement à haute voix à quelqu'un. Parce qu'elle est pour nous. En fait, cette réponse-là, elle ressemble un peu la réponse avec les post-it. Si vous voulez, au début, on a la première phrase qui reprend bien les mots de la question. La vie normale n'est pas possible sur Mars.
Très bien, excellent, bonne reformulation. Elle a refait avec ses propres mots. Mais ensuite, bah là, on commence, on fait deux points et on commence. Bah, va commencer par la farine, par exemple. La farine, bah là, c'est l'atmosphère. Ensuite, va falloir acheter le lait. Le lait, c'est l'eau. Et ensuite, je sais pas moi, le pain. Et le pain, c'est la température. Donc, bah, c'est pas tout à fait ce qu'on demandait. Donc voilà, ça, c'est plutôt la faiblesse de cette réponse. Elle est tout à fait correcte, elle est juste. En plus, il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, c'est même très bien. Elle est claire, bien écrite. Les phrases sont bien faites, bien formulées. Le problème, c'est que du coup, la partie de la consigne qui était de faire des mots de liaison n'est pas respectée. Voyons voir la deuxième réponse. Sur Mars, il fait très froid. La température peut descendre à moins 63 degrés Celsius, donc l'eau gèle. Les humains n'auront pas d'eau pour boire. De plus, l'air est du gaz carbonique. L'air n'est pas respirable. Pour conclure, elle n'est pas vivable. Est-ce que vous avez vu, déjà on commence par les erreurs d'orthographe, est-ce que vous avez vu ou est-ce que ça peut poser problème? On voit du coup ligne 2 à la fin, c'est les humains. Il manque le S. De plus, l'air, donc là on voit que c'est bien écrit L apostrophe AIR, est du gaz carbonique. Clac, il manquait encore ici un L apostrophe, c'est pareil, l'air n'est pas respirable. Allez, ben on reprend. Est-ce qu'il y a les trois éléments de la vie, de la pyramide de la vie? La température, il fait très froid. Très bien. Tac, il a bien récupéré l'information du texte, moins 63 degrés. Donc pour l'instant, tout va bien. Les humains n'auront pas d'eau pour boire. Ah, oui, parce qu'il dit que justement l'eau va geler. Et ensuite, il y a gaz carbonique. Mais alors là, par contre, petite faiblesse, on pourrait dire qu'il manque un mot-clé. Ben, le mot-clé ici, c'était atmosphère, celui qu'on utilise souvent, celui qu'on utilise depuis le début du module. Ben, s'il avait été réutilisé, ça aurait été encore mieux, mais c'est déjà très bien. Ensuite, on voit que là, les mots de liaison, ils sont bien utilisés. Sur Mars, il fait très froid, point. Donc la première phrase correcte. La température peut descendre à moins 63 degrés, donc l'eau gèle. Imparable. Bonne explication. Les humains n'auront pas d'eau pour boire. De plus. Alors, le de plus, c'est un grand classique. Vous allez voir, plus vous allez grandir, plus vous allez aller loin dans les échelons, dans l'école, vous allez l'utiliser de plus en plus. L'air est du gaz carbonique, l'air n'est pas respirable. Et enfin, alors là, pour conclure, ça c'est le parfait, c'est une très bonne façon de terminer sa réponse. Pour conclure, elle n'est pas vivable. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit avant permet d'arriver à cette conclusion. Et on le sait parce qu'il a juste mis cette petit mot pour conclure, elle n'est pas vivable. Donc on a vu deux réponses différentes. Une première où tous les thèmes étaient abordés, où il y avait bien les éléments aussi du texte, mais elle manquait le liant, il n'y avait pas les mots de liaison. Et une deuxième réponse qui est très bien écrite, qui a les mots de liaison, mais qui manque un petit peu de connaissances personnelles, même si elles sont pas dites en fait. C'est juste le fait qu'il y aurait mieux fallu dire atmosphère, c'était un mot-clé quand même qu'on utilise souvent depuis le début de ce module qui est assez important. Bien, mais sinon, c'est très bien, vous avez très bien travaillé et globalement, dans toutes les réponses que j'ai reçues, il y avait les trois informations importantes et les informations du texte. Ce qui pêchait un peu parfois, c'était justement ces mots de liaison. Donc là, vous pouvez prendre exemple sur cette réponse. C'est ça que je cherche. Quand vous m'écrivez ça, moi, je ne peux presque rien dire. C'est très bien. Allez, on reprend. On se rappelle que quand on doit répondre à une question, il faut d'abord toujours savoir ce que l'on cherche. Ensuite, il va falloir chercher, piocher dans le texte les informations qui nous intéressent, donc ce que je sélectionne. Et ensuite, à partir de nos connaissances et de ce qu'on a sélectionné grâce à nos aides-mémoire,
on peut déduire une réponse. Et on peut ensuite écrire une réponse en utilisant toujours les mots de liaison. Et donc, on va terminer avec l'épisode 4. Pour débuter, on va apprendre un peu de vocabulaire et se remémorer un peu toute la leçon sur l'espace depuis le début en regardant cette petite vidéo. Salut, je m'appelle Paxi et je viens d'une planète lointaine. Je suis venue sur Terre pour vous rencontrer et vous raconter mes aventures dans l'espace. Êtes-vous prêt à explorer votre système solaire? Ah, j'adore regarder les étoiles. Pas étonnant que vous soyez si nombreux à aimer ce spectacle. Mais ne serait-il pas mieux de voir les choses depuis l'espace? Allez, on y va! Voici votre planète, la Terre. Voyez-vous qu'une moitié est claire alors que l'autre est sombre? La Terre tourne. La moitié de la Terre orientée vers le Soleil est éclairée, il y fait donc jour. Alors que la moitié orientée dans la direction opposée au Soleil est sombre, il y fait donc nuit. Il faut 24 heures à la Terre pour faire un tour complet, une journée entière. Regardez, voici la Lune qui tourne en boucle autour de la Terre, ou comme on dit, qui orbite autour d'elle. Saviez-vous que la Terre orbite autour du Soleil lorsqu'elle tourne? La Terre et la Lune restent toujours ensemble. Il faut une année à la Terre pour faire une boucle complète. On va d'abord s'approcher du Soleil, mais pas trop près. Je ne veux pas encore brûler mes antennes. Le Soleil est notre étoile. Il est très chaud et nous donne de la lumière et de la chaleur. La Terre, elle, n'est pas seule. Ce n'est qu'une des 8 planètes qui orbitent autour du Soleil. Jetons-y un coup d'œil. Les 4 petites planètes rocheuses les plus proches du Soleil. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mercure est très proche du Soleil et c'est la plus petite planète du système solaire. Vénus est très chaude. Son air épais et dense est toxique pour les humains. Je ferais mieux de garder mon casque bien fermé, car cet air est toxique pour moi aussi. On a déjà vu la Terre, votre planète. Elle est très spéciale, vous savez. C'est la seule planète du système solaire qui soit couverte d'eau liquide, de rivières, de lacs et d'océans. Et la seule qui accueille la vie telle qu'on la connaît. Mars est couvert d'une poussière rouillée. Ça lui donne une couleur rouge-orange. C'est pour ça que les gens l'appellent la planète rouge. Peut-être qu'il y a eu de l'eau ici aussi, il y a très longtemps. Regardez là-bas. Après Mars, il y a de nombreux morceaux de roches plus petits. On les appelle des astéroïdes. Et il y en a des millions. Ils forment la ceinture principale d'astéroïdes. Et ils orbitent aussi autour du Soleil. Plus loin du Soleil, il y a 4 planètes vraiment énormes, beaucoup, beaucoup plus grandes que la Terre. Il y a Jupiter et Saturne, les géantes gazeuses, et Uranus et Neptune, les géantes de glace. Voici Jupiter, la plus grande planète de votre système solaire. Elle est tellement belle avec ses rayures de gaz, vous ne trouvez pas? La grande tache rouge que vous voyez est une tempête tourbillonnante qui fait 2 fois la taille de la Terre. Savez-vous que de nombreuses planètes ont leur propre lune, tout comme la Terre? Eh bien, Jupiter en a plus de 60. Et regardez Saturne avec ses anneaux spectaculaires. Ils sont faits de milliards de petits morceaux de glace, de rochers et de poussière. Uranus et Neptune sont vraiment froides et orageuses. Donc, je n'aurais pas envie d'y aller en vacances. On vient de voir toutes les planètes de votre système solaire. Et quelques astéroïdes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous êtes curieux d'en savoir plus? Alors allons-y, éloignons-nous encore plus du Soleil. Oh, il fait vraiment froid et sombre ici. Hé! Hey, c'est Pluton, une planète naine. Oula,
C'est quoi ces objets sombres? On dirait des énormes boules de neige sales. Attendez, il y en a une qui vient vers nous. Maintenant je sais, c'est une comète. Elle est faite de rochers et de glace. Elle ressemble aux astéroïdes que nous avons vus tout à l'heure. Mais je peux vous dire qu'elles sont très différentes. Celle-ci se dirige vers le Soleil. La prochaine fois, nous en suivrons une ensemble pour voir ce qui se passe. Voilà, donc le système solaire c'est ça. Une étoile, le Soleil, 8 planètes, plus de 100 lunes et des millions d'astéroïdes et de comètes. Quel endroit passionnant! Voici donc les aides-mémoires, justement, sous forme de photos. Et vous avez vu, c'est pas des phrases qui est écrit, pas que si, c'est juste des petits mots bien utiles. Donc là, tu vas essayer de répondre à la question, de donner un titre à ces aides-mémoires. C'est exactement comme ce qu'on fait en ce moment avec les mots génériques. On a des mots particuliers, le soleil, les planètes, les comètes et les astéroïdes. Il faut trouver donc le mot. Je te laisse un peu de temps. Donc, le mot qu'on cherchait ici, c'était système solaire, puisqu'en effet le soleil et les planètes on retrouve dans le système solaire. Comment justement on appelle le fait de mettre en lien des informations pour faire une réponse? Ça s'appelle la déduction. C'est ce que j'en déduis. Faire une déduction, c'est du coup récupérer toutes les informations et élaborer une réponse. Donc on respecte toujours le schéma, ce que l'on cherche, ce que l'on sélectionne et ce qu'on en déduit. Aujourd'hui, on va faire à peu près la même chose que la semaine dernière, donc c'est pour ça on va aller un peu plus vite. Cette fois-ci, on va passer sur Vénus et on va faire la réponse inverse qui est presque proche, c'est la vie sur Vénus est impossible. Donc là, c'est l'inverse, il va falloir relever dans le texte tout ce qui prouve que la vie sur Vénus est impossible. Donc vous vous rappelez bien du coup de triangle de la vie, de ce qu'on va avoir besoin. Ça ressemble, voilà, très beaucoup à notre travail sur Mars. Alors, ce que l'on cherche, la question, c'est la vie sur Vénus est impossible. Pourquoi? Alors, sur quel sous-titre du sommaire allez-vous cliquer? Oui, on va cliquer sur Vénus. Vénus, puisque c'est la planète de la question. Donc, allez, direction Vénus. Où allez-vous commencer et terminer votre lecture? Vous avez le texte normalement chez vous. Où allez-vous commencer et terminer votre lecture? Lecture pour trouver la réponse. Oui, ça va être dans ce paragraphe où on va trouver les réponses. On sait très bien que pour répondre à une question, il ne faut pas forcément utiliser tout le texte, il faut sélectionner les informations importantes.
Comme d'habitude, tu vas pouvoir utiliser tes aides-mémoire ou ton brouillon. Tu vas noter les informations importantes qui te font dire que la vie est impossible sur Vénus. Donc, il y a plusieurs raisons. Rappelle-toi du triangle de la vie, c'est très important. Si tu as quelqu'un avec toi, tu peux comparer tes aides-mémoire avec les siens. On y arrive, il faut maintenant essayer de remplir cette question, enfin, essayer de répondre à cette question. La vie n'est pas possible sur Mars, expliquer pourquoi. Donc, il ne faut pas oublier, il faut mettre, comme l'autre fois, information du texte, information que nous connaissons nous, et les mettre en lien avec des mots de liaison. Donc, cette fois-ci, je veux voir dans vos réponses. Pour ceux qui l'autre fois avaient un peu de mal, où il manquait les mots de liaison, qui avaient fait un peu des listes de courses, ben cette fois-ci, je veux du lien, d'accord? Je vous laisse un peu de temps. Vous pouvez appuyer sur pause. Comme d'habitude, il fallait respecter le triangle en parlant de l'atmosphère inhospitalière, donc on ne peut pas habiter, que l'eau était introuvable ou alors inconsommable et que la température n'était pas la bonne, donc impossible d'y vivre. On peut vérifier notre vidéo, notre réponse avec la vidéo de C'est pas sorcier. Voilà, bah c'est terminé pour aujourd'hui, enfin presque. Si tu peux faire cette petite météo pour voir justement, tu peux m'envoyer les réponses pour que je puisse savoir si justement tu penses maîtriser ou pas ces différentes capacités. Si tu sais qu'à chaque fois il faut se rappeler de ce que tu cherches quand tu lis, donc là tu peux me mettre le soleil. Si tu penses que tu as un peu un doute, que c'est encore un peu compliqué, tu peux mettre le nuage. Si tu as encore vraiment du mal, tu peux mettre la pluie. Pareil, lorsque je lis tout un bloc, je sais faire des pauses pour écrire mes aides-mémoire. Donc là c'est est-ce que tu sais faire tes aides-mémoire. Je sais prendre des notes, c'est-à-dire écrire des aides-mémoire brefs et utiles avec des petits mots et pas des grandes phrases. Et là, donc surtout là, ce qu'on a vu dans ces deux derniers épisodes, ce que je sais déduire, mettre en lien les aides-mémoire pour écrire ma réponse. Donc, est-ce que tu sais, à partir des informations que tu connais toi et les informations du texte, que tu peux répondre à une question? Voilà, eh bien, on a fini la lecture documentaire. À partir de la semaine prochaine, on va reprendre les lectures de textes habituels, donc j'alternerai entre des textes documentaires et des textes narratifs. On peut réviser donc une dernière fois le vocabulaire en faisant le jeu des mots. Essaye de faire deviner le plus de mots possible. En tout cas, merci à vous d'avoir bien participé à ces dernières vidéos. On se retrouve le plus vite possible, j'espère. Au revoir.